N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Copine, oui, maman. Comment tu vas? Bien. Soyez les bienvenus. Merci, maman. Merci. Prenez place. Okay. Vous avez bien voyagé? Très bien, maman. Okay. Ouais, c'est bien passé. Okay. Par la grâce de Dieu, tout est allé très vite. Ok. Et l'oncle, il est allé où? Ah, maman. L'oncle n'a pas eu la permission. Il n'a pas eu la permission au travail. Et il m'a dit que comme c'est de notre côté qu'on part, ce n'est pas trop important qu'il soit là. C'est quand on va aller du côté de Clarisse, il doit tout faire pour être là. Alors en ce moment, il doit prendre forcément la permission. C'est là où sa présence est capitale, tu vois un peu. Je te présente, Blessing, la femme de mon petit là. Ah, la femme du feu, oncle Jean. Merci. Mais je n'ai pas remarqué la coupe. Tu parlais même d'un dernier moment. Oui. Clarisse. Merci. Oh. Amen. Acha. Merci. Je vous attendais depuis juste le moment de me chausser. Et on part. Je me chausse. Et... Wow. Ok, maman, merci. Wow. Elle a vraiment pris aussi. Elle est prête. Je t'ai dit non, je t'ai dit que ma tante, sinon, c'est une femme. Allez... Ça va, Blessy. Vous allez bien manger. Non, très bien. Tout s'est bien passé. Depuis que votre frère est mort, est-ce que vous. Tu as plus besoin de parler, donc tout non, c'est visible. Frère, ça va, on voit comment. Quand il est mort, vous m'avez totalement abandonné. Non, c'est le poids. Sinon, je te reconnais. Comment ça? Thank you.
maman. Je suis à fond. Ok. C'est comme maman. Pécho à point. Salut mon grand. La femme de qui? Oh mon grand, t'es bien. C'est comment petit? Non, ça va, t'es bien. Bienvenue. Comment va le village? Non, ça va, t'es bien. Le café. Ouais, comment va le village? Non, ça va, ça va. Ok, ok. Oh la femme de qui? Oh bienvenue. Merci. Oh bienvenue. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Pardon, allons. Avancez. Maman, c'est nous. Je ne sais pas si tu as un bon. Bonjour, je suis Eyana Clarisse. Nanjou. Et mon dar ami de Kuno. Le pela nanga. Mbolo. Mene Eyana Clarisse. Ngone valet d'une thème. Omone Asako Henri Moïse. Bah, Eyamiko Célestine. Monongone Konmeka. Dans frontière Cameroun Guinée. Donc, je vous dis que je suis un homme qui a besoin de ma famille. Je suis un homme qui a besoin de ma famille. Donc, je suis un homme qui a besoin de ma famille. Moi-même, je sais parler la langue de l'étranger. Et c'est avec cette langue que moi, maintenant, je vais parler. J'ai remarqué une chose. Cet enfant n'a rien compris de tout ce que j'ai dit ici. Et pareil, moi, je n'ai rien compris. Tu as compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose ici? Ma Martina, we will not want to be in a good situation. C'est toi qui nous mène dans ce genre de bateau.
Ne sais-tu pas ce que dit notre tradition? Ne le sais-tu pas? Moi, par exemple, je ne suis pas sur cette chaise par hasard. Il est certes vrai, je ne suis que le successeur de notre père. Mais il m'a laissé ici afin que je sois le défenseur de la tradition. Notre tradition que tu connais très bien. Je vais nous éclairer un peu la lanterne. Tout enfant, garçon, sortant de cette concession et de ce village, devrait, si jamais il veut avoir plusieurs femmes, la polygamie nous est autorisée. Même s'il veut 10 femmes encore après, même sang, avoir comme première femme une fille du village. C'est ce que dit la tradition. Que je vous éclaire ici comme ça. C'est pour cette tradition que je suis ici et je dois la défendre. Voilà. On parle de la tradition. De la tradition. Maintenant, c'est le vivre ensemble. Regardons notre frère là. Il n'est pas de cette concession. Sa mère n'est pas Bassa. Ou bien, mon frère a épousé 2 femmes. Il est là. Certes, c'est vrai, sa mère était une étrangère. Mais vous avez vu comment la tradition l'a frappée dans ce village. Elle est devenue la prostituée. Avant qu'on ne lui chasse de ce village, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue une prostituée. Elle est à Yaoundé, elle monte, elle descend, elle fait le poteau. Méfiez-vous, la tradition existe vraiment. Il faut tenir compte, la tradition existe. Elle ne te permet pas d'appeler maman prostituée, hein? M'as-tu saisi? Hey, Josie! Assieds-toi là-bas. Tu es qui pour parler quand mon ami parle? Ce sont les enfants d'aujourd'hui. Comment? Il parle juste qu'il me tend le doigt. Méfie-toi, hein. Ebrissi, elle n'est pas notre femme. Elle n'est pas du Nord-Ouest. Est-ce que notre feu frère a épousé 2 femmes? Elle est la seule. Que faisons-nous alors des enfants? Ouais, mon guéri. Et moi alors? Mon père n'est pas nordiste ou je ne suis pas dans la concession. Vous voulez amener les gens où là? Où est-ce qu'on est là? Assieds-toi là-bas! Mais, tu comprends les histoires? Tu es étranger dans ce village, mon ami. Ton père essaie d'être du nord. Mais c'est ta mère qui est de cette concession. Donc les femmes n'ont pas parole ici. Comment? C'est quelle histoire? Papa, avec tout le respect que je vous dois, je vous écoute parler depuis. Vraiment, ça fait aujourd'hui 15 ans que mes parents sont décédés. J'ai souffert dans ce village. J'ai été abandonné. Personne n'était avec moi. La tradition dont on parle aujourd'hui n'avait rien fait. Vous n'avez rien fait pour moi. J'ai dû aller à Yaoundé, me battre. Dormi dans les rues, comme un orphelin que je suis, sans famille, travailler, pousser, ramasser les poubelles dans le marché. Pour devenir ce que je suis aujourd'hui, il a fallu que je rencontre cette fille. C'est quand j'ai rencontré cette fille qui m'a présenté à ses parents, sans même connaître mon village. Mais ses parents n'ont même pas demandé ma religion. Ma région, mon village. C'est grâce à ses parents que j'ai pu avoir une éducation. Que j'ai pu avoir un travail. Je suis arrivé ici avec une voiture. Vous étiez fiers de me voir. C'est grâce aux parents de cette fille. Vous demandez aujourd'hui que je l'abandonne à cause des traditions. Papa, papa, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, c'est le vivre ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais aller avec mon épouse à Yaoundé, prendre mes amis et on va aller la doter.
si vous n'êtes pas d'accord. Vraiment. C'est pas sérieux. Tasso, tu as suivi ce que cet enfant vient de raconter. Il dit que c'est grâce aux parents de cette fille qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, acceptons cette fille. Quoi? Mais il a épousé sa femme. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, t'es là. Je dis, hein, qui est avec moi? Qui est avec moi? Ah, donc vous êtes tous contre moi. Tiens. Vous allez me passer dessus. Je garde ma position. Cette étrangère ne peut pas entrer dans cette famille. Je suis le défenseur de la tradition. Vous allez me passer dessus. J'en ai terminé. Que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, nous sommes tous Camerounais. Et chacun doit se sentir à l'aise partout sur ce territoire où il se trouve. Nous disons non au tribalisme et oui au vivre ensemble. Ousia. Ousia. Bulia. Petit-yo. Petit-yalo. Alhamdoulilah. Sanu. Mbolo. Hello, good morning. Gachas. Gachayelo. Bachapum. Bolila. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.